Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le lundi 22 février 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série qui s'appelle la série Médias indépendants. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le média Demos Kratos avec Julien. Salut Julien. Bonsoir. Bienvenue à toi et aussi j'ai la chance d'avoir avec nous Léo du média Demos Kratos. Bonsoir Léo. Salut. Voilà, donc je rappelle que Demos Kratos est un média vidéo qui est né en 2016 à l'initiative donc de Julien Malara qui est présent ce soir. À l'époque, tu étais étudiant à Sciences Po et tu avais déjà l'intime conviction qu'on n'était pas en démocratie. Et en 2019, Demos Kratos a franchi un nouveau cap en accueillant de nouveaux membres actifs avec de nouvelles ambitions. Aujourd'hui, vous proposez une réflexion sur les stratégies de lutte contre toutes les formes de domination et vous mettez aussi en avant des projets de sociétés alternatives. Pour ne pas dépendre des annonceurs et avoir une indépendance, hein, vous gardez une totale indépendance éditoriale et donc vous essayez de vous autofinancer. On en parlera d'ailleurs dans cette émission. Vous avez réalisé plus de 250 vidéos, mais aussi des reportages en un peu plus de 5 ans, plus de 100 000 abonnés sur YouTube, 63 000 j'aime sur Facebook, près de 200 soutiens mensuels sur Tipeee. Et donc Demos Kratos a encore une fois démontré qu'ils répondent à un besoin des citoyens. Avoir accès à une information intelligente et indépendante. Je rappelle donc que la série Médias indépendants a pour objectif de mettre en avant des médias qui sont réellement indépendants et avec eux de réfléchir au rôle de la presse et en particulier réfléchir à la critique des médias pour construire un nouveau paysage médiatique populaire et ainsi proposer de nouveaux horizons idéologiques et politiques. Alors cette émission sera en trois parties. Dans un premier temps, on va échanger ensemble autour de la critique des médias, réfléchir sur les médias, leur indépendance, leur objectivité. Dans un second temps, on s'intéressera particulièrement à votre média dont vous êtes à l'origine et que vous portez aujourd'hui, donc Demos Kratos. On parlera de votre ligne éditoriale, du journalisme citoyen, des enjeux aussi économiques pour pouvoir pérenniser un média. Et enfin, dans un troisième temps, on laissera la parole aux internautes qui seront présents ce soir avec nous pour leur laisser quelques questions et qu'ils puissent aussi interagir avec vous. Donc, avant de commencer la première partie autour des médias et de la critique des médias, est-ce que rapidement vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Léo et Julien?